En Afrique, des milliers de jeunes joueurs de football rêvent de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi ou encore de Pierre-Emerick Aubameyang. Autant de joueurs qui ont fait carrière en Europe. C'est ainsi que des adolescents gabonais, mal informés, attirés par de vagues promesses de contrats lucratifs dans des clubs européens, sont devenus une proie facile pour de faux recruteurs de sportifs. Mais une lente prise de conscience commence à se dessiner, comme l'a constaté notre correspondant au Gabon, Jean-Rovis Dabani. Siban est l'un des quartiers les plus pauvres de Libreville. Ici, le football est le passe-temps préféré des jeunes, source de rêves, mais aussi parfois d'illusions. Atem vient ici une fois par semaine s'infliger des séances d'entraînement. C'est ici où j'ai fait mes premiers pas. Voilà quoi, c'était un stade mythique. Mythique parce que ce stade a vu passer beaucoup de footballeurs, du moins les fiertés du football gabonais. Voilà quoi, donc quand je vois ce stade, tout de suite j'ai la nostalgie qui me revient de, voilà quoi, de mes premiers pas, mes débuts en première division. Quoi. Ce sont des moments inoubliables. Dès ses 14 ans, Atem jouait déjà dans des clubs de 2-1 avec des rêves de Ligue des Champions plein la tête. Jusqu'au jour où des vagues connaissances le contactent et lui proposent de jouer dans un club français alors qu'il n'a que 14 ans. En plein mois de septembre 2016, Atem arrive seul au camp d'entraînement au parc sportif Léonard de Vinci à Paris. Il n'aura plus jamais de nouvelles de son agent. Ses parents ont dû payer pour qu'il revienne au Gabon. C'est à ce moment-là qu'un autre agent le contacte en lui promettant un essai dans un club français. Atem va donc donner beaucoup d'argent pour financer ce rêve de titularisation dans un club français de 2-2 avant de comprendre qu'il a été à nouveau dupé. Si je viens te parler d'une expérience amère durant cette période de ma carrière, comme je dis, c'est la fois où je me suis fait arnaquer. Voilà, juste l'année qui précédait mon voyage à l'étranger, je me suis fait arnaquer par, on va dire ça comment, un faux agent, comme on le dit. Je suis certainement un cas parmi tant d'autres. Voilà, mon cas, il est certainement exposé aujourd'hui parce que j'en parle. Alors, on va dire quoi, j'ai travaillé avec un agent. Il me promettait voilà, quoi, un voyage pour l'étranger, des contacts sûrs à l'étranger. Et moi, dans cette, déjà, j'étais à l'étranger une fois, dans l'envie de repartir de suite. Alors, je me suis tout de suite donné corps et âme. Aujourd'hui encore, Atem frappe dans le ballon, mais dans le coin de sa tête, toujours ce rêve, briller loin des terres africaines. Dans cette académie, plus de 250 jeunes âgés de 3 à 17 ans sont formés gratuitement. Ces gamins ne sont pas à l'abri des agents mal intentionnés. Mais ici, l'accès au centre d'entraînement est strictement contrôlé. Les jeunes de ce centre de formation sont informés, protégés contre des faux recruteurs. À la tête du jardin de football du Gabon, un ex-international gabonais. Face à ces petits, il tient toujours un discours de prévention pour les 14 et 17 ans. Je suis un ancien footballeur, je connais comment ça fonctionne. Les règles aujourd'hui ont peut-être beaucoup changé parce que bon, mais la FIFA contrôle un peu au niveau des agents et tout. Il faut aussi dire qu'un garçon ne partira pas de chez moi si je n'ai pas toutes les garanties. Ce n'est pas financier, mais c'est surtout la structure. Je pense que moi-même, je suis encore capable de payer un billet d'avion pour aller voir dans quelles conditions le garçon va être. Je serai à cheval là-dessus parce que mes garçons, la même façon je les suis au Gabon ici, c'est la même façon je vais les suivre au niveau international. Donc il sera vraiment difficile qu'un de mes garçons parte du Gabon que je n'ai pas de garantie quoi. Au niveau international, la FIFA a bien édicté un règlement interdisant le transfert d'un mineur à l'étranger si les conditions d'éducation et de logement ne sont pas optimales. D'après l'article 19 du règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FIFA, le transfert international d'un joueur n'est autorisé que si le joueur est âgé d'au moins 18 ans. Mais pour ce promoteur italien, Daniel Del Piero, qui sillonne l'Afrique à la recherche de jeunes talents, des failles persistent. Nous avons en Italie des contraintes bien précises. Quiconque est lié à nous a l'obligation de s'y arrimer. Évidemment, il existe également ce même genre de personnage en Italie appelé agent, qui, là aussi, propose aux enfants des rêves sans jamais obtenir quelque chose. Notre académie est très sérieuse. Elle est affiliée au club Atalanta Football Bergama. Elle est sérieuse, comme je vous le disais, et engagée à mettre en valeur le potentiel des enfants. Notre but est donc d'empêcher qu'il y ait des fausses expériences pour tous, parce que nous serons justement un pont entre le Gabon et l'Italie afin de gérer au mieux le futur des talents qui pourront éventuellement jouer au niveau international.
Les faux intermédiaires sportifs, Lumière Nguema connaît bien ce phénomène. Et d'après certaines sources au sein de la Fédération Gabonaise de Football, il existerait des ramifications en Suisse et en Turquie. Mais pour ce recruteur, c'est le vide juridique qui encadre la profession d'agent au Gabon qui est à l'origine de ce fléau. Je profite à lancer un appel à nos autorités pour qu'on puisse voir dans quelles possibilités notre fédération peut organiser désormais un concours d'agents pour permettre à ceux que les uns et les autres puissent exercer légalement, puisqu'en République gabonaise, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de concours avéré pour permettre que X ou Y soit réputé agent. C'est aussi en réalité cette ouverture qui permet, sinon ce vide, j'ai envie de dire organisation administrative et juridique, qui favorise les infiltrations d'agents qui en réalité ne sont pas réputés ou qualifiés. Aujourd'hui âgé de 22 ans, Atem fonde bien des espoirs de jouer un jour dans le club de ses rêves et ainsi briller comme de nombreux footballeurs africains dans les grands championnats internationaux.